Babou, des bons plans, des prix fous. Babou, Babou. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo. Aujourd'hui, c'est Rado que je vais retrouver tout de suite dans l'espace cardio et ensuite les infoclubs. Bonjour Rado, merci de nous avoir rejoints ici. Donc c'est l'espace cardio du CEP. Tu as passé un peu de temps ces dernières semaines pour ta réhabilitation? Ouais, bien assez. Vivement le fait de retrouver le terrain, c'est compliqué parce que tu es un peu à l'écart du groupe quand tu es blessé. Mais voilà, grâce au centre d'entraînement, tu es à proximité des autres. On t'a toujours beaucoup vu là quand même. Hein. Ah ouais, bah, je suis très attaché quand même à l'équipe et au groupe, donc il fallait que j'amène ma petite touche d'humour et de décompression. Comment tu te sens là aujourd'hui physiquement? Ça va beaucoup mieux, voilà, j'ai plus de douleurs, j'ai repris avec l'équipe complètement, donc voilà, j'espère jouer le plus tôt possible. Cette équipe de Pau que le groupe va rencontrer vendredi soir, comment tu la vois? Elle est nouvelle, très indisciplinée ce début de saison. Et on la voit venir ici sans complexe et voilà, on se méfie énormément de cette équipe qui va être, j'imagine, très joueuse. Après, comme toutes les équipes qui viennent de monter, on va essayer de chercher les points partout et voilà, on se méfie et on s'attend à un match très compliqué. Et retrouver Julien Pierre, retrouver Thierry Lacrampe. Hein. On va retrouver nos deux copains qui sont passés par ici et puis voilà, ce sera un plaisir de les retrouver, de jouer contre eux et de boire un coup avec eux à la fin du match. Pour ce qui est de l'équipe de France, tu suis cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu imagines là pour ce quart de finale samedi? Comme tout bon chauvin, voilà, j'espère que l'équipe de France va gagner et on supportera les copains clermontois. Et voilà, et sur un match, tout est possible, on croit en eux. On a une question cette semaine du supporter Arnaud C. Une question plutôt foot. Donc il porte un peu sur l'OM. Il constate que l'OM baisse un petit peu ces derniers temps et que le PSG monte. Est-ce que ça peut changer fin de saison? Je vois très bien qui c'est, ce fameux Arnaud C, donc c'est célèbre supporter parisien, je tairai le nom. Voilà, écoute, on le laisse prendre l'avance parce qu'ils font toujours des gros départs, puis après ça s'éteint un petit peu. Donc je sens en lui une aigritude pleine parce que la fameuse étoile, ils ne l'ont jamais eu. Voilà, Marseille, on l'a eu déjà, donc voilà, c'est... ils ont une belle équipe, mais voilà, je sens que l'OM va nous faire une seconde partie du championnat très fulgurante. Parfait, on attend de voir ça. Voilà. Bon, merci beaucoup et rétablis-toi vite pour quand on va sur le pré. Merci. Si comme Rado, vous voulez supporter les Bleus, rendez-vous ce samedi soir 21h en direct sur TF1 pour leur rencontre face aux Blacks en quart de finale. Une vente flash billetterie pour la rencontre face à Pau aura lieu ce mercredi au Carré Jaune 2 de 10h à 15h devant la boutique ASM. À l'occasion de cette rencontre, les volleyeuses des Chamalières viendront nous rendre visite ainsi que des animateurs de Bubble Bum qui nous feront une démonstration à la mi-temps. J'espère que vous serez nombreux pour le coup d'envoi du match qui aura lieu ce vendredi 19h45 en direct sur Rugby+. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Babou, babou. Liste et adresse des magasins sur www.babou.fr. Babou, babou.